Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Ronaldo qui devrait s'engager avec le PSG. Mais avant les amis d'aller plus loin, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Ronaldo au PSG. Alors que la presse espagnole a annoncé ce jeudi que le PSG aurait la ferme intention de faire venir Cristiano Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé, ces informations sont plus que jamais confirmées en Italie. Sous contrat, je le rappelle les mecs, jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé suscite encore de grandes interrogations quant à son avenir. Une situation qui contraint les hautes instances du club depuis Doha au Qatar à anticiper sa succession dans l'optique d'un éventuel départ pour le Real Madrid cet été. Le quotidien espagnol AS a d'ailleurs annoncé jeudi que le Cristiano Ronaldo de la Juventus Turin avait été récemment contacté par le PSG à cet effet et l'attaquant portugais serait séduit par l'idée d'une arrivée à Paris et ça se précise. Le Corriere dello Sport confirme dans ses colonnes du jour le vif intérêt du PSG porté à Cristiano Ronaldo et le média italien assure que cette collaboration serait judicieuse à plus d'un titre pour les deux parties. Engagé avec le même équipement Nike, le PSG et l'attaquant de la Juventus CR7 pourraient donc y voir de sérieux intérêts commerciaux. Et le média italien rajoute par ailleurs qu'en associant son image au Qatar, CR7, en gros Cristiano Ronaldo, deviendrait déjà l'une des icônes de la prochaine Coupe du Monde. Affaire à suivre. Sans dire les frérots que Ronaldo aurait été placé sur le marché des transferts par la Juventus, car la Juve ne compte plus réellement sur sa star portugaise. Cet été, le PSG devra frapper fort pour renforcer son effectif et compenser ses lacunes à différents postes. Ainsi, un latéral droit et des milieux de terrain sont attendus, mais le choix de Kylian Mbappé pourrait tout changer pour le mercato parisien. En effet, si l'attaquant français décidait de partir, il faudrait le remplacer et Cristiano Ronaldo semble être le mieux placé. AS, en gros, vous l'avez compris, le journal italien, révélait ce jeudi que le PSG avait d'ailleurs entamé les premières démarches pour le recrutement de la star portugaise. Et visiblement, la Juventus ne semble pas fermée à la vente de CR7. Bien au contraire, selon les informations de Nicolò Scheria, Massimiliano Allegri, nouvel entraîneur de la Juve, en gros de la vieille dame, s'est entretenu avec Federico Cherubini, successeur de Fabio Paratici, au poste de directeur sportif afin de planifier le mercato. Et les deux nouveaux hommes forts du secteur sportif de la Juve aurait décidé de mettre Cristiano Ronaldo sur le marché. En cas de bonne offre, le quintuple Ballon d'Or ne serait donc pas retenu. Voici en tout cas les frérots pour cette petite vidéo mercato sur le PSG, plus précisément sur CR7 à Paris. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci les mecs infiniment pour le soutien, on est déjà plus de 15 000. C'est énorme, merci infiniment. Go les 20 000 abonnés, continuez de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager un maximum la chaîne, que ce soit à tes amis, à tes ennemis ou bien à ta famille. C'était Paul Tout pour te servir. Ciao frérot, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, au revoir, à la prochaine.